Sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par une violente tempête de vent en Allemagne. La tempête Xavier a balayé le nord et l'est du pays, dont les deux principales villes, Berlin et Hambourg, ce jeudi après-midi. Parti de la mer du Nord, Xavier a déferlé sur les États régionaux de Mecklembourg-Pomerania jusqu'à la Saxe. Les sept victimes sont des automobilistes qui ont été heurtés par des chutes d'arbres ou de branches. Un décès a été signalé à Hambourg, un autre à Neukarstadt et cinq près de Berlin. Sur le mont Brocken, en Saxe-Anhalt, des vents ont été enregistrés à plus de 180 km/h. Les décollages et atterrissages aux aéroports de Berlin ont été brièvement interrompus. En revanche, le transport ferroviaire a été complètement arrêté dans le nord du pays et des centaines de milliers de passagers ont dû prendre leur mal en patience. On était parti pour l'île de Sylt, mais tout est arrêté. Alors on a acheté des bières et de la glace. On verra après.